Bonsoir euh, de nouveau sur TV et Radio de vie. Frères et sœurs, merci euh, d'être euh, connectés euh, ce soir. Et euh, merci en tout cas pour vos prières. Et, et euh, merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Merci pour euh, ta fidélité. Toute la gloire de Reviane Yeshua, notre Dieu, notre Maître. Amen. Voilà. En tout cas, bienvenue dans votre émission. Il est minuit. Il est euh, 21h10. 21 et nous sommes en direct sur TV Radio de Vie, nous sommes le 29 euh, novembre 2016. Enfin, parce que j'ai toujours le même problème avec le calendrier grégorien. Et comme vous le savez, la BGC économique vient d'être... Euh, enfin, juste trois exemplaires qui nous sont livrés aujourd'hui. Et euh, donc c'est dans une semaine, logiquement, qu'on doit avoir les 11 000 autres exemplaires. exemplaires donc pour pouvoir les distribuer. Donc pour le 23 décembre, on est euh, on est OK, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est une bonne version, mes amis, par, que le, que le sang soit béni, en tout cas, on est dans la joie, n'en déplaise à certains, bah, bah, tant pis, hein, Dieu fait son œuvre, puis, euh, tant pis, que le, le sang soit béni, tant mieux pour nous. et Voilà. Et euh, alors il y en a beaucoup qui, bien évidemment, aimeraient avoir cette version, mais vous avez déjà la première version, la, deuxième, la troisième euh, qui est une version avec, avec format cuir, euh, couverture en cuir. Et là, ben, c'est pour évangéliser vraiment plus facilement. Voilà. Donc, euh, que Dieu soit béni pour son œuvre. En tout cas, et, euh, on est dans la joie. Alors, on va rapidement prendre, justement, nos Bibles. Gloire à Dieu. Bien évidemment, nous voulons parler de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons nous arrêter sur Jésus-Christ. Nous ne voulons autre chose. Nous ne voulons pas autre chose. Nous voulons seulement qu'on nous présente Jésus-Christ. Pourquoi Parce que la vie est courte. On a très peu de temps. Et, et à cause de cela, ben nous voulons euh, avoir plus d'illumination sur celui qui nous aime, sur celui qui nous a créés, sur celui qui nous a, bien sûr, euh, euh, sauvés. Et euh, Yeshua, notre maître, notre roi, notre euh, sauveur. Et euh, nous sommes dans le livre... De Matthieu, Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Nous lisons à partir du verset 32. Comme il sortait, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Et étant arrivé au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en Tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Et euh, ils ont tiré ma tunique au sort, puis s'étant assis, ils le gardaient là. Ils mirent aussi au dessus de sa tête un écriteau où la cause de sa condamnation était marquée en ces mots Celui ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, et ceux qui passaient par là l'injuriaient et secouaient la tête en disant Toi qui détruis euh, Toi qui détruis en trois jours, bien sûr. Et, euh, et euh, voilà donc je crois que on va remonter encore. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve toi toi même si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Pareillement aussi, les principaux prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquant, disaient, disaient il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il se confie en Dieu, mais si Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant, car il a dit, je suis le Fils de Dieu les brigands aussi qui étaient crucifiés avec lui lui reprochaient la même chose depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure il y eut des ténèbres sur toute la terre et vers la neuvième heure jésus s'écria d'une voix forte eli eli sabactani c'est-à-dire mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné quelques-uns de ceux qui étaient là présents ayant entendu cela disaient il appelle Élie. Il appelle Eli. Et aussitôt l'un d'entre eux courut. L'un d'entre eux courut et euh, prendre une, ép une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé au bout d'un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Alors Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et rendit l'esprit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et la parole nous dit, et euh, plus, plus, plus loin au verset 51, Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le, le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla et les pierres se fendirent. Et les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à plusieurs. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et tout ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait là aussi plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi lesquelles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Joseph et la mère de fils de Zébédée. Le soir étant venu, un homme riche d'Arimathée, appelé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus, se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. En même temps, Pilate ordonna que le corps soit rendu. Joseph prit le corps et l'enveloppa dans l'un seul pur et le mit dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc, dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis -vis du sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre à côté de l'entrée du sépulcre et s'assit dessus. Son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme de la neige. Les gardes furent tellement saisis de frayeur qu'ils devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est, il est ressuscité, comme il avait dit, venez et voyez le lieu où le Seigneur était couché et allez vous en... en Allez-vous en promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alléluia, gloire à Dieu. Alors elles sortirent promptement du sépulcre avec la crainte et une grande joie et coururent l'annoncer à ses disciples. Mais comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, voici Jésus se présenta devant elles et leur dit, je vous salue. Et elles s'approchèrent, embrassèrent ses pieds et l'adorèrent, 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 l'adorèrent. Et quelle a été la réaction du Seigneur après que ces femmes l'aient adoré Regardez, les a-t-il euh, euh, repoussé Pas du tout. Verset 10. Alors Jésus leur dit Ne craignez pas. Allez et dites à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Donc on apprend que les femmes vont l'adorer. Verset 11. Or, quand elles furent parties, voici quelques-uns de la garde vinrent dans la ville et ils rapportèrent aux principaux prêtres toutes les choses qui étaient arrivées. Sur quoi les prêtres s'assemblèrent avec les anciens et, après avoir tenu conseil, donnèrent une forte somme d'argent aux soldats en leur disant. Dites, ses disciples sont venus des nuits le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous le persuaderons et nous vous épargnerons tout souci. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Mais les onze allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Ils l'adorèrent. Les femmes l'ont adoré. Les disciples qui ont marché avec Jésus, qui ont reçu son enseignement, l'ont également adoré. Et quelle a été la réaction du Seigneur Jésus s'étant approché leur parlant, en disant, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Toute puissance. Écoutez bien cette parole-là. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et qu qu'est-ce qu que je veux partager avec vous ici Et regardez au verset 19, il dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous. Et voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à l'achèvement de l'âge, jusqu'à l'achèvement de l'âge, jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Écoutez, Jésus dit qu'il est, en enfin, fait, ici là, c'est, c'est, c'est plus que le verbe être. Ici, c'est le nom, carrément. C'est le nom de Dieu. Jésus-Christ se présente comme étant celui qui s'appelle je suis. Il dit Je suis avec vous. C'est comme si, c'est comme si il disait euh, le Je suis sera avec vous. Voyez. Et écoutez, écoutez bien mes amis, écoutez très bien ici. Il y a un, il y a une, une, un parallèle à faire entre l'envoi des disciples par Yeshua et l'envoi de Moïse par Yahweh. D'accord? Ici, c'est, c'est, écoutez bien. On nous dit qu'ils étaient sur la montagne. Moïse, Dieu l'a visité où? Sur la montagne de Sinaï. Et Dieu l'envoie où, Moïse? En Égypte pour libérer le peuple. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait ici sur la montagne, n'est-ce pas? Il envoie les apôtres. Pourquoi? Pour libérer les nations. Voyez. Pour apporter l'évangile aux nations, pour libérer les enfants de Dieu. C'est ça en fait, faire des nations de disciples. Et quel a été le nom qui a été révélé ici Eh bien, le « je suis ». Il dit « je suis ». Je suis. Il dit dans Jean 8, il dit « avant que Abraham fût, je suis voyez ». Vous voyez Moïse, dans, 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 dans Exode 3, pose la question à Dieu. « Tu m'envoies vers ton peuple. » Si on me demande quel est le nom du Dieu qui t'envoie que leur, que leur dirais-je? Dieu lui dira, va et dis-leur, celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. bah ben oui. Ça veut dire que Dieu, n'est-ce pas, dit à Moïse, celui qui s'appelle je suis sera avec ta bouche. C'est ça en fait. Donc, c'est la même chose. Jésus est vraiment le Dieu Tout-Puissant. Et écoutez, dans ce que nous avons lu là, plusieurs choses nous confirment que Yeshua est vraiment le Dieu Tout-Puissant. Premièrement, vous avez vu que il était, il était adoré. Attendez, ceux qui l'ont adoré ici n'étaient pas du tout des païens, c'est-à-dire des polythéistes. Parce que le mot païen veut dire littéralement paysan, paysan ou polythéiste. Et ce n'étaient pas des gens issus des nations, c'était des Hébreux. Des Hébreux qui connaissaient la Torah, pour certains. Des Hébreux qui savaient que Moïse avait dit, Dieu avait dit par Moïse dans Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Des Hébreux qui avaient reçu la, la, la révélation de Dieu. Des Hébreux à qui Dieu avait dit par Esaïe au huitième siècle avant Yeshua qu'il ne donnerait pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que nous voyons ici Nous voyons d'abord des femmes. Marie de Magdala, Marie et plein d'autres femmes qui se mettent à adorer. Jésus. Si Jésus n'était pas Dieu. Si Jésus ne n'était pas celui à qui l'adoration doit être mes amis rendue. La gloire. Il allait dire comme l'ange qui est que Jean a voulu adorer, l'ange a dit non 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 non. Ne m'adore pas, on va le voir, on va le voir, on va le à ah, le chapitre 19. Vous allez voir que Jésus n'est pas n'importe qui frère. Nous voulons que qu'il soit révélé à son peuple. C'est capital, c'est salutaire. Après, nous lisons à partir du verset 10, euh, à partir du verset 9, euh, 10 pardon. Alors je tombais à ses pieds, au pied de qui De l'ange. Alors je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Oh mon Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. L'ange que Dieu avait envoyé pour pour parler à Jean n'est-ce pas était tellement dans la gloire de Dieu que Jean a voulu l'adorer. Et regardez la réaction de l'ange. L'ange a dit non 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 non. Garde-toi de faire cela. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus donc l'ange ici confirme que Jésus est Dieu, parce que tout de suite il dit, hein, il dit adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire la parole de Dieu et la prophétie par excellence. Et l'ange nous dit que Jésus est le centre des écritures, il est au centre de la parole de Dieu, il est l'être, la, 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 la personne centrale des écritures et et mes, mes amis, vous comprenez pourquoi quand les, les femmes ont adoré le Seigneur, Marie, tout ça de Magdala notamment, Jésus n'a pas dit arrêtez. Il a accepté l'adoration. Or, seul Dieu doit être adoré. Et les Écritures nous disent: Tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est ça l'évangile. Un Dieu. Mes amis, Dieu seul, plutôt je vous dirais, doit être adoré. Donc Jésus-Christ a été adoré. Jésus est Dieu. Ceux qui vous disent que Jésus n'est pas Dieu sont, mes amis, soit ils sont dans l'ignorance et dans ce cas-là, Dieu va les éclairer, et, ou soit ils sont antichrist. Et sachez que l'esprit d'antichrist opère actuellement, mes amis, déjà depuis, déjà depuis la, nuit, la nuit des temps. Mais cet esprit opère de plus en plus actuellement dans les nations, dans les assemblées, où Jésus, n'est-ce pas, ne plus accepter, ne plus prêcher, où des sites soi-disant chrétiens vont plus parler des hommes, parler de ce qui se passe ici et là, plutôt que de présenter Jésus-Christ véritablement. Plus on vous parle de Jésus, plus vous allez être illuminé. Plus on vous parle de Yeshua, plus vous allez vous sanctifier. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, son nom est la parole de Dieu. Donc, plus on vous prêche Jésus, plus votre foi va grandir. Moins on vous prêche Jésus, moins votre foi sera efficace. Et c'est aussi simple que ça. Et donc, les femmes l'ont adoré. Jésus a accepté. Deuxièmement, les disciples qui connaissaient la Torah, L'eau adoré et jésus a accepté et ils ne sont pas arrêtés là ils ne se sont pas arrêtés là nous sommes dans matthieu chapitre 2 matthieu chapitre 2 regardez mes amis et euh, à partir du verset neuf Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Une étoile qui s'arrête. Vous vous rendez compte déjà, là <laughs> Une étoile qui s'arrête. Vous vous rendez compte Une étoile. Je ne sais pas, mes amis, quand on lit la parole du Seigneur comme ça, là, il y a des choses, des détails qui nous <laughs> sautent aux yeux comme ça. Quand ils virent l'étoile ils furent saisis d'une très grande joie ils entrèrent dans la maison virent le petit enfant avec Marie sa mère se prosternèrent et l'adorèrent mais attends qui qui sont ceux qui ont euh, adoré ce petit enfant eh ben c'était des mages c'est-à-dire des sorciers des astrologues c'est-à-dire, l'adoration de, de Jésus ne s'est pas limitée aux, aux, aux seuls disciples qu'il avait. L'adoration, mes amis, c'est tout le monde qui l'adore. Tout le monde doit l'adorer. La, la, la parole nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent Yahweh. Or, Jésus, son nom, c'est Yahweh et salut. Oui, j'adore Jésus-Christ. Oui, Jésus est le Dieu seul, le seul Dieu que j'adore, que je sers, que je servirai. 100% homme et 100% Dieu. Il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Et la parole nous dit que des magiciens l'ont adoré, les magiciens. Je veux vous dire une chose. Si vous voyez un sorcier adorer Jésus, c'est que vraiment là c'est que Jésus est Dieu parce que vous savez pourquoi Parce que les sorciers, ils savent dans le monde spirituel, ils savent qui est Dieu et qui ne l'est pas. Même si ils pensent que Satan est leur dieu, et le, vrai, le véritable Dieu pour eux, mais ils savent que au pour en tout cas pour la plupart, hein, ils savent que au dessus de, de, de Satan, il y a le Dieu tout puissant. Et là, c'est des gens qui passaient leur temps à observer, n'est-ce pas, les étoiles, à tirer des présages, n'est-ce pas, en observant les, les étoiles et à prédire soi-disant l'avenir en regardant les étoiles. Et ce jour-là, ils ont vu qu'ils ils ont vu l'étoile. Je ne dirais pas une étoile, mais ils ont vu l'étoile brillante du matin. Cette étoile brillait différemment par rapport aux autres. Et une étoile qui est capable de marcher, une étoile qui est capable de s'arrêter, <laughs> qui va in indiquer le chemin de la maison où se trouvait l'enfant Jésus. Et quand les mages arrivent, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font Ils vont se prosterner d'abord. Ah là, ici, là, ils ont mis encore, ils ont mis deux verbes. Hein. Se prosterner, c'est-à-dire ils sont jetés sur leur face devant cet enfant et ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré, ils l'ont adoré. Je, 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 je me répète, ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Il faut que ça rentre dans nos crânes, dans nos cœurs. Ils l'ont adoré. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont faire? Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrir des présents. Ah, c'est ça l'adoration. C'est-à-dire, les trésors, c'est nos cœurs. Hein? Là où est ton cœur, là où sera ton trésor, nous dit Matthieu 6. Donc ils ont adoré Dieu avec leur cœur. Et il lui offrit des présents, de l'or. Pourquoi l'or L'or, dans les Écritures, nous parle de la royauté. Ça, beaucoup le savent, n'est-ce pas Parce que l'or était beaucoup utilisé, beaucoup utilisé dans le tabernacle, dans le temple notamment. Et euh, voilà. Donc, euh, les certains ustensiles du temple étaient recouverts d'or, et leur fin, et euh, l'or d'ophire de l'or pur, de l'or très très cher. Et deuxièmement, de l'encens. Pourquoi l'encens L'encens, ben, c'est la prière. C'est la prière. l'encens euh, ben, monte la fumée qui monte, voyez, la prière, la prière, voilà. Et pourquoi la mire La mire, c'est cette résine, mes amis, euh, qui coule euh, d'un arbre et euh, d'un arbre. Hein, euh, et mais cet arbre-là doit être, mes amis, doit subir euh, certaines, euh, comment dire, ben, doit être écorché. Hein, donc et là, ben, la résine va couler, 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 couler. Et la mire nous parle en fait de la souffrance, nous parle de la, de la, de la croix. Voilà. Voyez. Donc ils ont reconnu cela. Ils ont reconnu que l'or et l'argent appartiennent à Dieu selon selon Ag euh, 2:8 où Dieu disait l'or est à moi, et l'argent m'appartient. Et qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit, n'est-ce pas Aux juifs, euh, rendez aux, à, à, à César ce qui est à César. Allons voir. âgé 2. ag 2, 8. Seigneur, merci pour ta parole. Agé, le prophète. Voilà. 2. Le verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi dit Yahweh des armées. Bah ben oui, ils ont rendu l'or hein, à, à son propriétaire. Voilà. Ils ont rendu l'or à son propriétaire, c'est-à-dire Dieu. Tout simplement. Et allons voir dans le livre de euh, Marc chapitre 12. Euh, Matthieu pardon. Matthieu 4. Matthieu 4 ce soit nous voulons vous présenter Jésus-Christ comme le Dieu qui doit être adoré, le seul Dieu à, 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 que nous devons adorer. Regardez, et euh, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus, Jésus, mais Jésus répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Alors le diable le transporta dans la sainte ville et le mit sur le haut du temple et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit. Il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une euh, fort haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais Jésus lui dit, retire-toi Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Lui seul. Donc Jésus nous confirme que seul Dieu doit être adoré. Seul Dieu doit être servi. Et s'il n'était pas Dieu, si Jésus savait qu'il n'était pas Dieu, il n'allait en aucun cas accepter l'adoration des hommes, des femmes. Des disciples et, 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 et comment dire, de, 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 des mages. Il était bébé, vous me direz, mais oui, mais en tant que c'était Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est ça l'évangile. Donc nous ne voulons pas adorer les hommes. Nous ne voulons pas adorer les pasteurs. Nous voulons, ne m'adorez pas. Voyez frères et sœurs, nous ne voulons pas adorer l'argent. Nous ne voulons pas adorer Satan, adorer les hommes, les vêtements, les choses de ce monde, frères et sœurs. Nous voulons être des adorateurs du Dieu véritable, car la Parole nous dit dans Jean 4 l'heure vient. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi Ceux qui pensent que Jésus n'est pas Dieu et qu'on ne doit pas l'adorer, ceux qui n'ont pas compris les choses spirituelles, l'adoration, c'est en esprit. Il ne faut pas le faire avec ton intelligence, avec ton raisonnement, parce que tu vas, te, tu vas croire qu'il est, est seulement homme, seulement fils mais pas le père en même temps. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et oui, Jésus-Christ est Dieu, il mérite notre révérence, notre respect, notre adoration. Il mérite d'être servi avec dévouement, avec sérieux, avec efficacité, avec consécration et nous voulons, mes amis, crier haut et fort que celui, le véritable Seigneur et Sauveur, est celui que nous, 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 nous devons adorer. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus. Bah ben oui. Il est, il est assis au milieu du trône. Je dis bien Père, Fils et Saint-Esprit, Yeshua. Voilà. C'est ce rocher là qui a brevé les enfants d'Israël dans le désert. Ce rocher qui les suivait, qui les protégeait et c'est lui le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire. Et je vous assure frères et sœurs, Jésus est vraiment Seigneur et il est le Dieu qui doit être adoré. Regardez Romains chapitre, chapitre 9 verset, à partir du verset premier. Romains, chapitre 9, à partir du verset premier. Qu'est-ce que les saintes Écritures nous apprennent, nous enseignent Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience me rendant témoignage par le Saint-Esprit que j'ai une grande tristesse et un continuel tourment dans mon cœur. Car moi-même, je souhaiterais être anathème et séparé de Christ pour mes frères, pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'ordonnance de la loi, et le service divin, les promesses et les pères. Et de qui est sorti selon la chair? Donc, 100% homme. Christ, qui est Dieu? Au-dessus de toute chose. Béni éternellement. Amen. Christ, qui est Dieu? Christ, qui est Dieu? Christ, qui est Dieu? Et Paul rajoute au-dessus de toute chose. Donc, au-dessus de Christ, il n'y a personne. Parce qu'il n'y a pas de dessus. C'est lui qui est au-dessus. Voilà. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, c'est écrit noir sur blanc. Christ qui est Dieu. On nous dit, selon la chair, donc homme, et ensuite Dieu au-dessus de toutes choses. Bah ben oui, mes amis, c'est ça la parole du Seigneur. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qu'il faut adorer, c'est lui qu'il faut servir. Et on s'arrête pas là. On va dans deux, un pierre, un, 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 chapitre 1. Là, c'est le témoignage de Paul. Moi, je préfère croire les Écritures plutôt que les docteurs les faux docteurs, plutôt que les, les faux frères, hein, la fausse Église, les doctrines antichristes qui veulent nous faire croire que Jésus-Christ n'est pas le Tout-Puissant. Le Père, tout ça, là, c'est des sorciers, des magiciens, des gens à ne même pas écouter parce qu'ils vous envoûtent, parce qu'ils n'ont pas rencontré Dieu. Ce sont des serviteurs du malin qui se déguisent. Ce sont des loups cruels, des loups dangereux. Et nous sommes dans un pierre, chapitre 1 Qu'est-ce que la parole nous dit mes amis. hallelujah, gloire à Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, je crois. Béni soit Dieu et Père, notre Seigneur Jésus Christ. Béni soit Dieu et Père, notre Seigneur Jésus Christ. Et c'est, on a traduit ça littéralement comme le grec le dit. Béni soit Dieu et Père, notre Seigneur Jésus Christ. Vous voyez, frères et sœurs? Qui, par sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et euh, nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1er. Le témoignage de Pierre, toujours. On a vu le témoignage de Paul qui enseigne que Jésus-Christ est Dieu. Regardez, verset 1er. Simon-Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ. À vous qui avez reçu en un partage une fois du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Pierre, qui a marché avec Jésus, nous apprend que Jésus-Christ est, 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 est Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Vérifiez-moi dans d'autres Bibles. Noir sur blanc, Pierre dit que Jésus-Christ est Dieu. Or, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Ça, c'est le témoignage de Pierre. On a vu le témoignage de Paul. Alléluia, gloire à Dieu. Allons voir le témoignage de Tite, Tite chapitre 2. Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous avons le témoignage du troisième frère. Hein, verset, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu salutaire à tous les hommes a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines et à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et sauveur, Jésus Christ. Mais vous voulez, vous voulez quoi encore? En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu. C'est-à-dire, le troisième témoigne, témoin, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Comme Yahweh avait dit aux enfants d'Israël, vous serez mes témoins. Vous êtes mes témoins. Donc c'est le même Dieu qui parle ici, dans les Écritures. Il ne peut pas y avoir deux dieux qui font, qui ont chacun des témoins. Non. Non. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Vous vous rendez compte oh, Donc, donc, petit... Paul, ça c'était Paul, pardon, Paul, Paul, donc, euh, a témoigné d'un Romain, Paul a témoigné d'un Tite, et euh, pour la, deux, la deuxième, la deuxième fois, et Pierre a témoigné. Et on verra le témoignage de Jude. On nous dit que, on dit qu'on, en fait, Paul rajoute ici, grand, grand, grand Dieu. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas le petit Dieu, comme les témoins de Jéhovah l'enseignent, avec un dé minuscule. On dit c'est un petit Dieu. Non! Ici, on a dit, grand Dieu. Hein mes frères? Satan veut nous cacher ces ce choses-là. Il veut nous voiler. Pour pas que les chrétiens connaissent leur Dieu véritable, le Dieu Tout-Puissant. Voyez, frères et sœurs? Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes dans Jude, le troisième témoin. Donc nous avons le troisième témoignage, C'est par rapport aux Écritures. Jude, chapitre 1, verset 1. Jude, esclave de Jésus-Christ. Déjà, être esclave de quelqu'un. Euh, si ce n'est Dieu. Et, euh, voilà. Donc. Euh, et, et frère de Jacques, donc tous, ils l'ont dit, dit hein, pratiquement tous, hein, Et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés par l'évangile que Dieu a sanctifié et gardé pour Jésus Christ. Que la miséricorde et la paix, et la, la, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Mais bien aimés comme je désirais vous écrire avec empressement au sujet de notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient le seul maître, Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, mon Dieu, Jude, ici, c'est le frère biologique de Jésus-Christ. Et il dit qu'il est aussi le frère de Jacques, Jacques qui a été le Jacques de, de, de actes, euh, de, des actes des apôtres, le euh, chapitre 15 qui était aussi le frère biologique de Jésus-Christ. Jésus-Christ est homme. Et nous avons trois témoins. Nous avons le premier témoin, c'est Paul, qui nous dit que Jésus-Christ est Dieu, dans Romains 9, 5 là-bas. Nous avons le deuxième témoignage de Paul, dans Tite, où il nous dit que Jésus-Christ est un grand Dieu, ou je, je dirais le grand Dieu. Nous avons le témoignage, troisièmement, euh, deuxièmement pardon, de, euh, de de Pierre, qui était l'apôtre à qui le Seigneur a dit. Paix mes brebis, paix mes, mes agneaux, paie mes brebis, Paul, euh, Pierre confirme encore que Yeshua est Dieu, et nous avons le témoignage du troisième homme, Jude, frère biologique de Jésus-Christ, qui nous dit que Jésus est le seul maître, et notre Dieu est Seigneur. Mes amis, nous avons, nous allons avoir le troisième, le quatrième témoignage, 1 Jean 5, 20. Merci Seigneur pour ta parole. Or nous, or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, comme vous le savez, pour connaître Dieu, il faut recevoir l'intelligence de Dieu. Il faut avoir l'intelligence ouverte. Sinon, on va avoir un débat stérile avec les religieux, les trinitaires ou les, 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 les gens qui enseignent que Dieu est bicéphale, hein, un Dieu à deux têtes, voilà, et euh, de la pure sorcellerie, tout ça, là. Il faut l'intelligence. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Jésus est le vrai Dieu et la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur, c'est ce que les Écritures nous enseignent ici. C'est Jean qui nous l'apprend. Il dit Jean, c'est l'apôtre qui, euh, euh, qui mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Et Jean est le quatrième homme. À nous confirmer que Jésus-Christ est Dieu. Et il rajoute ici le vrai Dieu et la vie éternelle. Ah, mes amis, on veut qu'elle témoigne encore. Pierre a dit le grand Dieu. Jude a dit euh, 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 le maître et Seigneur, Jésus, notre Dieu. Et Jean dit le vrai Dieu. Donc si Jésus est le vrai Dieu, donc il n'y a pas un autre vrai Dieu quelque part. Et le verset 21, en tant que vieillard, Qu'est-ce qu'il dit aux petits enfants qu'il avait? Nous tous, hein. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Voilà. Donc, il ne pouvait pas dire que Jésus-Christ est Dieu s'il si savait qu'il y avait un autre Dieu quelque part, sinon ils seraient tous idolâtres. Donc, il a dit, gardez-vous des idoles. Et il sait de quoi il parlait parce que c'est lui, Jean, n'est-ce pas, qui a failli adorer l'ange. Gardez-vous des idoles. Donc ce soir, c'était juste une exhortation pour vous montrer, que pour vous enseigner, pour vous parler, vous exhorter à, à, à chercher le Dieu véritable, dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc ne nous adorez pas nous, pas l'eau, pas le feu, pas le ciel, pas la terre, hein, pas la création, les créatures. Comme la parole le dit dans Romains 1, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. N'adorez pas les images, les statues, tout ça. Ne vous mettez pas à genoux devant les hommes, devant les statues, devant les cathédrales, les basiliques, devant les temples, devant vos bishops, tout ça là. Personne ne doit prendre la place de Dieu dans vos cœurs, ni moi, ni personne d'autre, sauf Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Seigneur, notre Père, notre Sauveur, le chemin, la vérité la vie. Et soeur, merci, que Dieu soit béni, et nous vous donnons rendez-vous ce samedi pour euh, un temps euh, de partage de la parole, de prière, d'adoration du Dieu véritable, Yeshua, notre Maître, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël que nous servons. Et nous prions pour Israël, nous prions pour Jérusalem, n'est-ce pas Nous prions pour tous les juifs, nous prions pour tous les arabes, pour les Palestiniens, nous prions, mes amis, pour le monde entier, les nations, nous prions pour la RDC, la Centrafrique, la Syrie, nous prions pour mes amis les États-Unis, pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent, les chrétiens persécutés dans les pays, euh, mes amis en Chine, dans les pays musulmans, tout ça. Que Dieu leur vienne en aide et nous bénissons nos ennemis, nous prions pour ceux qui nous persécutent conformément à la parole du Seigneur. Nous ne voulons pas nous mélanger, nous ne voulons pas nous taire, nous ne voulons pas céder à l'intimidation de l'ennemi, nous voulons rester bibliques et nous ne voulons pas perdre du temps, nous ne voulons pas nous focaliser sur les hommes, nous voulons nous focaliser sur le Seigneur. Il vient, il revient, plutôt qu'on ne le croit. Maranatha, que Dieu vous garde au nom de Yeshua. Amen.